Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chères auditrices et les auditeurs. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. C'est un plaisir pour moi, comme d'habitude, de vous créer des contenus podcasts afin de vous guider et de vous motiver pour votre vie quotidienne. Pour un rappel, vous êtes sur la chaîne MCAM Click. MCAM Click est une chaîne digitale qui donne la voix aux Guinéens de la diaspora, qui motive les Guinéens partout où ils se trouvent, qui guide les jeunes Guinéens partout où ils se trouvent. Une fois encore, bienvenue sur cette chaîne. Comme promis, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de continuer avec le sujet concernant les 12 règles de la vie. Pour un rappel, dans mon précédent podcast, j'avais parlé des 4 règles, les 4 premières règles. Aujourd'hui, je vais continuer avec les 4 autres règles. D'accord? Aujourd'hui, je vais commencer avec les 5e règles, la 5e règle. Pour un rappel, j'avais parlé la première règle qui était accéder au sommet de l'ordre hiérarchique. Et la 2e règle, c'était aimez-vous comme vous le feriez pour les autres. Et la 4e règle, c'était de choisir judicieusement vos amis. Et la 4e règle était battez votre propre record personnel. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de continuer sur la même règle. En commençant, la 5e règle, c'est élever un enfant gentil et responsable, chers amis. La bonne façon d'élever son enfant est l'un des plus grands dilemmes de la vie et tourmente de nombreux parents qui luttent pour y parvenir, chers amis. Parce que nos enfants viennent au monde comme des pages vierges, nous sommes souvent paralysés par la question de savoir quoi écrire sur les personnes qui auront un impact sur les générations futures. Le point de départ pour répondre à cette question est de reconnaître l'agressivité humaine innée. Nous savons tous à quel point les enfants peuvent être méchants les uns envers les autres. Presque tout le monde a une histoire d'intimidation à au moins un moment de son enfance. Et si notre principale préoccupation était simplement d'élever des enfants gentils, alors, chers amis, cultiver la gentillesse nécessite plus que d'être un ami pour son enfant. En fait, pour réussir comme parent, il faut prendre le risque qu'il y ait des moments où votre enfant ne vous aime pas. Même si cela peut être un peu douloureux, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont ce style de parentalité se déroulerait. Après tout, si vous concentrez sur le fait d'être la meilleure amie de votre enfant, vous ne vous concentrez pas sur l'application des règles, votre travail consiste plutôt à vous assurer qu'ils sont toujours heureux et qu'ils s'amusent. Et cela ne va pas aider votre enfant à devenir un adulte bien adapté ou sympathique. Ainsi, même s'il n'est peut-être pas amusant de fixer des limites et de les faire respecter, il peut être utile de se rappeler, chers amis, que vous rendez un grand service à votre enfant en lui apprenant très tôt des leçons de vie. Après tout, n'est-il pas préférable pour eux d'apprendre la responsabilité auprès d'un parent aimant plutôt que dans une société qui leur apprendra de manière beaucoup moins douce? Donc, chers amis, si vous souhaitez aider votre enfant à devenir le meilleur possible, voici
des conseils pour une parentalité déçue. La première étape consiste à éviter de limiter les règles. Même si les règles sont absolument nécessaires, si vous en avez trop, chers amis, votre enfant deviendra frustré et il ou elle aura l'impression d'être entouré d'obstacles. Ainsi, au lieu de contrôler leur vie dans les moindres détails avec des règles telles que vos chaussettes doivent toujours être assorties ou vous devez toujours être au lit à 7 heures, concentrez-vous sur des règles pratiques plutôt et réelles comme faire preuve de respect, être gentil et ne jamais recourir à la violence, sauf en cas de légitime défense. Chers amis, les auditeurs et les auditrices, n'oubliez pas que ces règles vous aideront à façonner les valeurs fondamentales de votre enfant. Et honnêtement, préfériez-vous avoir un enfant aimant et respectueux ou un petit monstre dont les chaussettes sont toujours assorties? La règle suivante est de toujours utiliser le moins de force nécessaire. Assurez-vous donc, chers amis, d'établir des règles claires avec des conséquences tout aussi claires et veillez à ce que la punition soit adaptée à la faute. Savoir quelle punition sera la plus efficace pour aider votre enfant à comprendre les conséquences de ses actes nécessite également, chers amis, une connaissance approfondie de votre enfant. Alors, apprenez à connaître la personne unique qu'il est et comprenez quand seule une correction verbale est nécessaire et quand l'apprendre. Chers amis, loin des jeux vidéo pendant une semaine, le troisième conseil est de former un front uni. Si vous êtes un foyer biparental, chers amis, alors assurez-vous de faire savoir à votre enfant qu'il ne peut pas vous opposer pour obtenir ce qu'il veut. De même, assurez-vous de soutenir votre partenaire, même s'il fait des erreurs. Reconnaître, chers amis, ses erreurs avec amour et y travailler ensemble est la clé de la croissance et d'un foyer heureux. Il est temps pour moi de vous expliquer la sixième règle qui est « La vie n'est pas juste ». Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Est l'un des mystères séculaires et angoissants de la vie. À ce jour, nous ne l'avons toujours pas résolu. Souvent, cela est dû au fait qu'il est plus facile de rejeter la faute sur les autres pour l'injustice, que ce soit à l'échelle mondiale ou personnelle. Cependant, chers amis, ce n'est pas la bonne réponse aux souffrances du monde, pas plus que notre tentation de céder au désespoir. Bien que ces deux réactions soient tentantes, il est essentiel d'éviter les réactions extrêmes pour adopter au moins un mode de vie sain. Le célèbre auteur russe Léon Tolstoï ne voyait cependant que les choses de cette façon. En fait, il a suggéré que l'injustice du monde était si accablante pour l'esprit humain que ces quatre réponses pouvaient être valables. Selon sa définition, ces réponses comprenaient une ignorance infantile, un plaisir hédoniste, un suicide ou une détermination à continuer de lutter malgré tout. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il y a? Chers amis, d'autres semblent certainement avoir adopté cette sombre vision du monde, comme en témoignant les multiples tragédies dans lesquelles les gens décident de prendre d'autres vies en même temps que la leur à travers des fusillades massives
dans les écoles ou dans d'autres lieux publics. Même s'il s'agit d'une très mauvaise nouvelle, cela ne devrait pas nous faire perdre espoir ni conclure que l'humanité est intrinsèquement mauvaise. Alors, chers amis, la sixième règle de vie invite les gens à assumer la responsabilité de leur propre vie et de leurs actes avant de condamner le monde. Il est temps pour moi de vous expliquer la suite qui est la septième règle. Chers amis, recherchez le sacrifice plutôt que la gratification. Voilà la septième règle intéressante. Chers amis, avez-vous déjà entendu l'histoire du singe qui s'est pris la main dans le pot à biscuits? Même si sa main pouvait rentrer dans le pot, celui-ci était trop gros pour qu'il puisse l'en sortir tout en tenant un cookie. Pour cette raison, le singe a été contraint de choisir entre abandonner et se libérer de sa situation difficile pour conserver sa franchise. L'histoire se termine avec la capture du singe par des chasseurs. La morale suggérant que l'avidité est un piège qui nous prend au piège. Il y a de fortes chances que vous ayez été témoin d'un comportement similaire chez les êtres humains. Chers amis, la tentation de poursuivre ce que nous voulons, même si cela entraîne des conséquences négatives, est une expérience humaine assez universelle. Mais céder à ce désir ne fait pas vraiment de nous de meilleures personnes, n'est-ce pas? Malheureusement, chers amis, cette leçon de vie est liée à la précédente règle, car les choix malsains sont souvent des effets secondaires du désespoir. Si nous considérons le monde comme sombre et misérable, nous cherchons naturellement à éteindre notre dépression en recherchant tout ce plaisir qui rendra notre existence plus supportable. Cela conduit souvent à justifier que quelque chose ne peut pas aller mal si cela nous rend heureux, ou que ce type de rationalisation peut être une passerelle vers de très mauvaises décisions. Alors, chers amis, comment pouvons-nous lutter contre cela? Il est suggéré que notre meilleur recours est de privilégier le sacrifice plutôt que la gratification instantanée. C'est parce que le sacrifice apporte de meilleures choses dans le futur en renonçant au plaisir instantané du présent. Et nous le savons déjà, en quelque sorte, après tout, nous sacrifions des choses que nous préférons faire pour aller travailler tous les jours et gagner notre vie. Mais ce type de sacrifice est toujours dans l'intérêt du gain personnel, car nous le faisons pour faciliter notre propre survie ou pour épargner en vue de la promesse des vacances plus tard. Cependant, le véritable sacrifice, chers amis, celui que nous devons rechercher pour devenir des personnes plus gentilles, plus heureuse et mieux adaptée, est définie par les choses que nous faisons pour les autres. Alors, chers amis, des auditeurs et des auditrices, au lieu de rechercher des plaisirs égoïstes et instantanés, envisagez plutôt de consacrer un peu de votre temps à faire du bénévolat et à faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand tu te concentres sur le bien que vous pouvez mettre au monde,
vous faites une pause dans votre vision négative du monde et vous vous laissez guider par des influences positives. Chers amis, vous trouverez peut-être utile de penser à la fleur de lotus comme source d'inspiration. Cette plante commence sa vie au fond d'un lac bouilleux et monte lentement vers le sommet par petits incréments de croissance jusqu'à ce qu'elle éclate dans l'eau pour s'épanouir au soleil. Vous pouvez connaître le même type de croissance en donnant la priorité au sacrifice pour le bien des autres plutôt qu'à la gratification instantanée, car l'altruisme non seulement réinvente votre vision du monde, mais il fait de vous une meilleure personne. J'espère que le message est passé pour cette règle. Maintenant, je vais vous expliquer la 8e règle et la dernière pour ce podcast. C'est qu'il s'agit d'arrêter de mentir à vous-même. Nous avons tous tendance à nous mentir d'une manière ou d'une autre, que ce soit en nous disant que nous allons atteindre un certain objectif sans y consacrer aucun effort, ou en nous trompant sur nos défauts. Nous sommes tous des menteurs, chers amis. Le psychologue autrichien Alfred Adler a qualifié cette habitude de mensonge de la vie et les a définis comme les choses que nous disons et faisons pour obtenir ce que nous pensons vouloir. Cette distinction, ce que nous pensons vouloir, est importante car elle reconnaît le fait que nous nous trompons souvent en désirant des choses qui, en fin de compte, ne sont pas bonnes pour nous, chers amis. Il en va de même pour notre capacité à nous convaincre que nous savons déjà tout ce que nous devons savoir. Il s'agit d'un mensonge particulièrement insidieux, car si nous supposons que nous disposons déjà des bons outils pour nous améliorer, par exemple, nous perdons toute volonté d'apprendre et de grandir. Ainsi, la 8e règle de la vie est la suivante. Alors, chers amis, arrêtez de mentir et dites-vous la vérité. Affinez votre conscience de soi et apprenez à reconnaître quand vous vous dites quand vous vous dites un de ces mensonges de la vie, chers amis. Et puis, travaillez pour le réparer. Réaligner vos objectifs et votre vérité personnelle peut vous aider à remettre votre vie, chers amis, sur les rails et à être honnête quant à vos progrès. Merci de votre écoute. Merci de partager ce podcast, de l'aimer et surtout de me laisser les commentaires. Rendez-vous au prochain podcast qui sera les 4 dernières règles de la vie. Je vous remercie.